Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. L'ONG DOCAP, avec l'appui de la Fondation NED, organise du 20 au 22 juin 2024 un atelier de formation sur la prévention et la résolution des conflits au profit des membres de communautés kassaïennes et kwiloises. L'on prendra également les actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité bonne nouvelle. Pour la population des Kikuita, sauf changement des dernières minutes, la population kikuitoise va célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec l'électricité des Kakobola. C'est le premier citoyen de la place qui l'a annoncé ce jeudi à la presse sous réserve de l'entreprise Mohan Energy Corporation. Abengiama Kachaka évalue ses travaux déjà exécutés à 98%. Détail dans ce propos recueilli par Christian Nakatala. Muke kusonga na population nyonso ya mbanza kikwiti mpi ya Congo démocratique ya ke pays na betu nde mbalaya ibetu remercier président de la République Fatshi Béton parce que awaka kudila ya bana ya kikwiti na moment ya campagne nandi na kikwiti population ya kikwiti kulombaka na chef de l'État, Samunde, courant ya Kakobola, ou Tungama, yo pesama na vila kikwiti lumière kupela. Et puis, chef de l'État, ku Vutu Kanandi, a pesaba moyen nyonso na ba entreprise na ya ke travaye sa na courant Kakobola. Je vous assure pour le moment, courant Kakobola, qu'elle est na 98% ya ba travaux na yo. Et moi pesa communiquer ya ba technicien ya Kakobola me katoka ku pesa munu nde na population ambanza ikwiti bonge lomba na bayina nyonso yake déjà connecté na ku utiliser ba ampoule ya 100 watts parce que ba ampoule na ke consommer mingi sambu yo benda courant parce que courant atakwisa yo ya ngolo. Je vous assure que ba travaux ya bonge na kusala d'ici le 30 juin betre baka courant na kakuya na kikwite. Donc ba premier sei penza ta vanda na le 30 juin et puis ti ba le 5 beta ba déjà courant régulier puis là ya ba courant nyonso ke pesamaka ya na nisambu ba technicien ina ya kusalaka yo boke kuma na Kakobola donc bota kuma na kikwite ou bien na Kakobola le 24 ya betke lao. Le Bouboui, les Abba avec le 50e, le 24e, la délégation de Kouma, ça n'a pu se démarrer, la machine n'a pas de salaire. Restons toujours dans la ville de Kikwit pour prendre cette actualité en vie de rendre son Kikwit natal propre pour le bien de tous. Le patron de l'hôtel de ville de Kikwit, Abengiama Kachaka, appelle sa population à un salon spécial et obligatoire chaque vendredi. Malheur au récalcitrant. Bon, bet kwenda sala yo na ville parce que bet monaka matiti me kuma mingi, mais bet ke baka décision mosi CCPI. Na mbanza kikwite na vendredi salon oké mekuma obligatoire tout le monde fait se donner na salon kabet kutange na sukange me sala venge me baisa bima nangé betu takangangé et puis ngeta futa amande ngeta sala salon me ngeta futa di amande bete lomba na population nyonso ya ke na mbanza kikwite ne salon pour le moment yo mekuma na système obligatoire donc betu nyonso fait ku se donner na salon. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, le maire de la ville de Kikwit, adjoint Lula Charlotte, a lancé ce jeudi 20 juin 2024 à l'hôtel Marinel un atelier de formation sur la prévention et la résolution des conflits au profit des membres des communautés kassaïennes et kwiloises. Cette formation de 3 jours est organisée par l'ONG DOCAP avec l'appui de la Fondation NED. Reportage pour plus de précision.
Dans le cadre du projet La prévention des conflits post-électoraux et d'appropriation de réformes de la gouvernance démocratique, l'ONG de OCAP organise avec l'appui de la Fondation NED une formation sur la prévention et la résolution des conflits au profit des membres de communautés kassaïennes et kuloises à l'hôtel Marinel, ville de Kikwita, du jeudi 20 au samedi 22 juin 2020. Cette formation de 3 jours a pour objectif global de contribuer à la réduction des conflits intercommunautaires, principalement ceux liés aux élections de décembre 2023, grâce à des approches communautaires à même de consolider la cohabitation et la cohésion entre communautés des différentes origines. Lors de son mot du lancement, Madame Lula Charlotte, maire adjointe de Kikwita, a vivement remercié et félicité les initiateurs de ces projets qu'il estime salutaires pour le bien fondé de son peuple. Alors ce projet, je crois qu'il est le bienvenu. Ici, non seulement dans les villes qui ont été citées et nos cités périphériques, c'est très important parce qu'il y a brassage de peuple. Il y a mouvement de communauté, il est important que ce projet puisse expliquer l'importance de la cohabitation pacifique. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le projet de la prévention des conflits post-électoraux et la progression de réforme de la gouvernance démocratique ici dans la ville du Bout. Je dis et je vous remercie. Face à la presse, Madame Lydie Kabanza Matondo, secrétaire exécutive de l'ONGD OCAP, revient sur les objectifs poursuivis par la dite formation et explique pourquoi le choix de Kikwita. L'objectif poursuivi est que nos communautés, notamment celles qui sont autochtones du Grand Bandundu et les communautés kassaïennes, qu'ils soient ensemble, qu'ils puissent ensemble résoudre les problèmes de manière pacifique, qu'il n'existe pas de conflit et que la communauté, toutes les communautés réunies dans le Grand Bandundu marchent ensemble et résolvent ensemble leurs problèmes au niveau de la communauté. Il s'est de souligner ici que la formation se réalise dans le cadre du projet de la prévention des conflits post-électoraux et appropriation de la gouvernance démocratique qui est mise en œuvre grâce à l'appui technique et financier de la Fondation NED. Le choix de Kikwita parce qu'il y a une grande partie de la communauté kassaïenne qui se retrouve ici dans la ville de Kikwita, pas seulement Kikwita mais aussi les Grands Bandundu. C'est pour cette raison que nous avons bien voulu choisir les sites d'intervention du Grand Bandundu où nous retrouvons une grande partie de la communauté kassaïenne. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale congolaise, pour prendre cette actualité après la clôture de la session de mars 2024 à l'Assemblée nationale. L'heure est à l'évaluation des activités qui se sont déroulées à la chambre basse du Parlement. Les membres du bureau se sont réunis le mercredi 19 juin dernier autour du président Vital Kamerhe pour évaluer les différents sujets abordés lors de cette session qui vient de fermer ses portes le samedi 15 juin 2024. L'honorable rapporteur Jack Njoli nous fait le point dans cet élément. Groupes parlementaires qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée, on en a pratiquement 21 et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci.
Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Voilà donc un certain nombre de questions qui ont été mises en exergue dans cette évaluation et le bureau va continuer à travailler en intégrant dans sa perspective les attentes du peuple congolais. Il est important que le rapport entre les élus qui ne sont que des représentants du peuple et ce peuple soit reconnecté et qu'on soit concentré, n'est-ce pas, sur les attentes de la population et non sur des questions périphériques. D'une province à une autre, nous quittons la province de Kinshasa pour se rendre à présent à Ituri pour prendre cette actualité. L'espace aérien congolais s'est enrichi d'un nouvel aéronef de type ATR-70, un avion de transport régional. Une initiative d'un opérateur économique, Joseph Makilimali. La cérémonie du vol inaugural a été présidé ce mercredi par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Et la suite dans ces images. Mongabon Airlines a posé officiellement ses ailes à l'aéroport national de Murungu, suivi d'arrosage de cet appareil ATR-72 de 68 places. Dorénavant, Mongabon Airlines va faciliter l'ouverture vers différents horizons de cette province au état de siège en la reliant des différentes agglomérations du pays. Joseph Akilimali Eli, directeur général de cette entreprise, voit son soleil d'Austerlitz. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils acheté, dont celui qui vient d'arriver, et des autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord merci à Dieu. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kachamadjoni, est pris de paix et développement à présider la cérémonie inaugurale. S'est dit fier et se réjouit de la mise en place de cette compagnie par un fils du pays. Et comme un père, il a profité de l'occasion pour appeler tous les égarés à revenir à la raison afin de contribuer également à l'essor de cette province. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongabaon, la société Mongabaon, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Parce que, à la place de ces mauvaises images, nous avons ces images, des images comme celle-ci. Rappelons que cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kachamadjoni, sous l'état de siège, pour la paix et le développement de la province, en suivant à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le reste de l'actualité à travers l'Afrique monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi, détail dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VO Afrique.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans, a été investi aujourd'hui. Il doit former un gouvernement de coalition après un revers cuisant pour son parti aux dernières législatives. Le pays entre dans une nouvelle ère, a-t-il souligné. Au Tchad, un incendie qui a embrasé le principal dépôt de munitions de l'armée et provoqué des explosions en chaîne dans la nuit de mardi à mercredi à N'Djamena a fait au moins 9 morts et 46 blessés selon le gouvernement. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France mercredi pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il y rencontrera son homologue français Emmanuel Macron. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a endossé le contenu d'un texte ouvertement critique envers le régime qui vaut à un de ses proches d'être en prison. Maïga affirme néanmoins la nécessité de soutenir le colonel Assimi Goïta et dénonce les tentatives de le dresser contre les militaires. Ainsi s'achève partiellement cette édition du journal pour prendre le rappel des principaux titres. L'ONG DOCAP avec l'appui de la Fondation NED organise du 20 au 22 juin 2024 un atelier de formation sur la prévention et la résolution des conflits au profit des membres des communautés kassaïennes et kwiloises. L'on prendra également les actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.